Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Resident Evil 4, peu de temps après, sur la même journée. Sur la même journée que les précédents épisodes, qui est d'ailleurs le premier épisode, un problème de qualité qu'il faudra que j'essaie de régler ça. Sans plus attendre, hop, on va mettre continuer. Et on fera un petit débrief. Direct. Pas Bonsoir, directement. Condor 1. J'ai les infos que tu voulais sur Luis Serra. Apparemment, il a travaillé comme chercheur pour Umbrella. Umbrella? J'aurais dû le laisser pourrir dans ce sac. Je t'envoie les détails. Regarde, mais Eglon reste la priorité. Bien reçu. Je me dirige vers l'église. Condor 1, terminé. Bizarre. Hein. Voir le document. Luis Serra Navarro, 28 ans, masculin. Le nom de Serra apparaît publiquement pour la première fois dans le registre des citoyens. Machin. Aucun certificat de naissance, autre document. Le mentionnant n'a plus été découvert. Voilà. Ok. Une petite nouveauté, c'est que. Oh. Un truc caché, wesh. Oh, trop stylé. Ah, donc on peut pas. Ouais, donc je disais. Une chose intéressante à noter, c'est que, eh ben, on sait directement qui est Luis, alors qu'il fallait attendre une bonne partie du jeu dans l'original. Et puis la réaction de Leon, bah, après, c'est compréhensible. J'ai vu ça, hop. Et puis, ouais, du coup, on s'était terminé dans ce bâtiment-là après un gros fight. Gros gaspin mune avec le Censo, Dr. Salvador. Pourquoi il fait noir d'un coup? Je sais pas, c'est normal. Je sais pas. Il n'y a pas de cinématique avec notre petit. Je suis perdu en fait avec le. Comment c'est sombre. C'est là. Putain, j'ai peur. Bon. Toi aussi, hein? Oh. Bah le voilà! Attention à toi. Ça, c'est du Léon, ça. On avait récupéré justement, oui, la petite clé de l'insigne aussi. À ne surtout pas oublier de préciser ça aussi. Parce que si je comprends bien, ça va nous permettre d'ouvrir pas mal d'endroits, je pense. Déjà, par contre, j'aimerais bien retourner. Mais il y a un trésor là-bas. Pareil, le fait qu'il n'y ait aucune transition. Ok, un black.
Aucun black screen, du moins. Ça aussi, c'est vachement cool. Vachement, vachement cool. Genre, il n'y a pas temps mort. Bah, comme Dead Space, en fait, justement. Ça fait plaisir. Par contre, on a combien? Ouais, non, c'est ça. Je vais retourner voir notre ami le marchand, mais ça ne sert à rien. On a que 3000. On va essayer de quand même de garder nos trésors. Donc, on va juste être reparti. Hein. Au moins, on a été quand même récupérer le trésor que j'avais oublié. Donc ouais, il y a eu un petit problème au niveau de la qualité d'image avec le premier épisode. Je vais essayer de régler ça. Je vais essayer de ressortir l'épisode, de le re-upload. Pour voir. Et si jamais c'est le même problème, bah le premier épisode sera comme ça. En espérant que vu que là je suis en train de tourner les épisodes à la file, que ça fasse pas pareil. Auquel cas, tant pis, hein, je descendrai la luminosité pour la prochaine volée. Voilà, parce que là, refaire tout ce que j'ai fait. Voilà. Un peu chier quand même. Bon, je pense que c'est fait exprès. Ok. Ah, on revient au village. Du coup, si c'est comme l'original. Ils ont repris un peu leur poste, normalement, les. Nos amis les zigotos, là. Regarde. Ah, bah, regarde, déjà, ils nous forcent à aller tout droit. Alors, ça, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui est en train de grailler là, pas loin là. Il y a quelqu'un qui est en train de grailler, putain. Boussole ancienne. Ok. Ah, c'est un peu changé le village là. C'est fait exprès. J'ai... Wouah! C'est les chiens, ça? J'ai pas envie de prendre de risque face aux chiens. Et ils sont vénères. Oh la vache, ils sont vénères. Attends, je recharge, frérot. Arrête de tout défoncer. C'est pas parce que t'as pas eu ton goûter qu'il faut s'énerver. Ils sont énervés, les chiens, hein, par contre. Quelqu'un.
Ah, ok, dedans. Ça s'est passé gentiment. Ceci était interdit en moins de 18 ans. Je pense qu'on va devoir aller par là. Même le village, il change. Ah non, faut que je passe par... Ah ok, c'est là, on va aller... il y en a un gros, il est en train de... Et donc on verra, je vais essayer de faire ça. Auquel cas je descendrai à la qualité, on repassera à 1080, histoire quand même que ça soit fluide quand même. Et auquel cas je m'excuse d'avance si les 4 premiers épisodes du coup seront assez médiocres au niveau qualité. Qualité visuelle, je parle bien. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, le but c'est de prendre notre temps un peu. Donc on va retourner voir là-bas, hein, puisque je... Avant que je fasse... J'allais tester. J'allais tester, de toute façon on n'a rien à perdre. Auquel cas, les munitions. Je suis désolé. Je pense que je peux prendre encore un coup. La grande question c'est que... C'est pas ça. Donc du coup non, ça sert à rien. J'ai en plus j'ai plus de clé pour le tiroir fermé. Donc non, on va juste pour continuer alors. Faut bien essayer, hein. De toute façon. Niveau mule, c'est vrai que c'est pas la folie. Hein. On a tout pile un chargeur complet. Pour le fusil à pompe. Encore une fois, je m'excuse si jamais les 4 premiers épisodes risquent d'être assez médiocres. Normalement, je suis censé tourner, je suis censé record à 4K, en 4K. Alors après, s'il y a une perte sur le rendu final, c'est pas bien grave. Mais ce qui me fait chier, c'est que... En tout cas, j'ai vu sur la vidéo, j'arrive pas à dépasser les 360. Ou alors des fois, ça veut bien, mais à 480, c'est chiant. C'est chiant, ouais, voilà. Ok. Auquel cas, je vais pas perdre mon temps. On va voir ce que ça a fait tout à l'heure.
¡Ahí está! C'était sûr. Est-ce qu'on peut peut-être... On peut prévoir qu'ils ont mis quelque chose, hein. Bon, remettre des pièges, c'est quand même bizarre, quoi. C'est fermé. Ah non, non, c'est fait exprès. Bah pourquoi dans ce cas mettre en piège? Voilà, voilà. Bah quoi qu'il en soit, hop. On va utiliser la clé. Ah les bâtards! Sérieux? Putain, stylé! On peut bouffer maintenant les serpents? Désolé, hop, on est venu me faire chier. Comme d'habitude, j'ai envie de dire en plus. Ça, c'est notre copain. Ouais. Mais c'est que des têtes en fait! Ah, on l'a entendu. Ouais, on l'entend. C'est que des têtes, wesh. Non, mais wesh, ça, c'est pas humain. Mais bon, je pense savoir c'est quoi. Hein. Y a pas besoin d'être complètement con. Hymnados 4.9. Dors bien et continue de t'épanouir, cher enfant. À mesure que ton corps se développe, tes mères se cousent de nouveaux vêtements. Avec 7 quintaux de blé et la moitié d'un taureau par jour, tu es déjà trop grand pour ton parc. Toi, cher enfant, pour tes frères et sœurs. Ouais, ouais, non, mais ils sont complètement craqués. Hein. Je vais m'équiper de ça au cas où. J'ai quelques nouveautés en stock. Viens y jeter un œil. Ouais, t'inquiète, j'arrive, mais. Par contre, le fait qu'il y ait la conversation aussi, notre petit là. Marre de manquer constamment de munitions. Ah oh, putain, ils arrivent à lire notre pensée en plus. Imagine ce qu'il te faut. Le lance-carreau va te changer la vie, l'ami. Ces projectiles peuvent être récupérés. Et réutiliser. Ah, ça par contre, tu vois, c'était pas précisé sur au moment de la première rencontre. C'était pas précisé. De quoi faire des sacrées économies. N'oublie pas non plus d'acheter la formule de chaos pour transformer en carreau les couteaux que tu as en trop. Avec ça, pas de, plus de munitions. Et ce n'est pas tout. Attache des mines adhésives explosives de proximité au carreau pour transformer l'arme en redoutable lance-mine. Ouais, mais ouais. Ouh, toi, tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Ah, oui, le voilà. La voilà. La marchandise est en parfait état. La prochaine.
Laisse-moi faire un petit tour dans mes... Donc du coup là ça vaut... Voilà, regarde. Ça vaut 19 000. 19 200. Si par exemple... Je fais ça. Et là je fais... Ça. Non, c'est exactement ce que je viens de faire. Bah voilà en fait. Waouh la vache. On peut faire un duo de couleurs 1x1, 1x3, 3 couleurs. Et un trio c'est 1,4. C'est stylé, hein. Non vraiment comme ils ont fait, c'est stylé. Moi franchement je trouve ça trop stylé. Bah du coup on va pas vendre ça. Hein. Ça on va le garder. Ça. Une fois, achète quelque chose. Bienvenue. Pas les saphirs, pas le vipère, pas le masque élégant. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. On va garder ça. Le couteau, c'est trop important. Bon travail. J'ai pas place. À quoi tu tiens le plus ? À ton argent ou à la vie ? Le choix est vite fait, l'ami. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. Ça t'épate, hein ? Notre savoir-faire ne laisse personne. Allez, on va faire ça. Le rechargement, c'est vrai que c'est assez lent. Pour l'avoir remarqué. Et ça, non, on peut le vendre. Je préfère économiser. Je sais pas, parce que je me dis que. Sur quelques raretés étrangères. Ouais, allez. Une autre fois, peut-être. Une requête. Vendre 3 vipères. Zone non spécifiée. Spinel x4. Ok. Ils viennent tous me faire chier là, je sais pas pourquoi, rien à voir avec les coups. Que ce fanatique veut nous faire avaler, a-t-il un charme de serpent pour me prêter main forte? Ouais, t'inquiète fort. Ah non, c'est lui. Par contre, les poteaux ils s'en foutent qu'il y en a un des leurs qui... bon, allez hop. Ça part. Ah, du coup. Non, on peut pas. Bon, c'est un chemin. Attends, je vais juste regarder un truc. Ouais, il reste à peu près 10 minutes. Du coup, je vais pas prendre plus de risques pour aujourd'hui, je vais pas retourner à notre épisode derrière. Et ah ouais. Une église, ça doit être là. Trop stylé. Ouais, je vais pas prendre plus de risques. Je vais faire que 4 épisodes, parce que si jamais j'arrive pas à modifier la qualité. Après, si c'est que sur l'épisode 1, pourquoi pas. Mais voilà. Toi, hop, tu t'endors. Tu me donnes ta thune. Vu les prix que ça faisait, je pense que... Ouais, ouais, il y en a. Je me suis dit, je vais tenter, pas gâcher une balle de pompe. Je pense que j'ai bien fait. Mine de pistolet, en plus je récupère pas mal de mine de pistolet là. Voilà, et je pense que si j'aurais détruit la caisse, il m'aurait cramé. Instant. Donc je suis pas peu fier.
Ok, ok. Condor 1 à Perchoir. L'église est fermée. Et Eglon ? Négatif. Toujours rien. Mais l'endroit est aussi verrouillé qu'une prison. Je vois. S'ils font ça, il y a forcément une raison. Oh, elle est là. Il n'y a pas de doute. Je vais chercher un moyen d'entrer. Condor 1, terminé. Léon, je trouve qu'il a plutôt de charisme. Pour l'instant, en tout cas. Dans le remake. Ou alors, pas forcément qu'il a plus de charisme, mais il en a, il impose plus, je trouve. Ok. Ok, ok. Carte du lac. Un nuisible lecteur est venu pour la fille. Enferme-la dans l'église et attendez les ordres de notre seigneur. Jusque-là, gardez l'entrée de l'église fermée. La clé sera conservée dans la grotte de l'autre côté du lac. Le monstre se chargera de cet intrus imprudent. Ok. Le lac. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Hop, on va sauvegarder. On va rester encore un petit peu. Hein. Pas encore l'heure. Si, je vais voir un truc. Ah si, je peux déposer. Qu'est-ce qu'on peut mettre au final? Il y a un truc ou pas ici? J'ai l'impression que c'est la suite. Hein. J'ai l'impression que c'est la suite. Donc avant de faire une bêtise. On va ressortir, on va voir là-bas ce qu'il y a. Encore une requête. Bon, j'ai joué. Ouais. Une ferraille. Détruire les emblèmes sur les tombes. Ils ont trahi en rejoignant un culte maléfique ne mérite pas de reposer en paix. Quelqu'un pourrait détruire les emblèmes gravés sur leur pierre tombale. Je vais faire ça juste après. On a compris que vous kiffez votre l'ordre. Un aveuglante. Je kiffe. Non, franchement, pour l'instant, moi, j'ai rien à dire. Il y a vraiment cette même ambiance, revisitée, modernisée, tout en gardant l'esprit de base en fait, et sur ça t'as rien droit de tir quoi. C'est un excellent boulot qu'ils ont fait là pour l'instant. Respecté en plus, respecté de l'original, comparé aux 2 ou 3, pour l'instant il manque vraiment pas de détails quoi, vraiment pas du tout quoi. Voilà. Ok. Là, on va retourner voir le marchand. Puisque moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça que j'économise ici les spinels. C'est le viseur laser. C'est frérot. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Ce que oh là, c'est tout ce que j'ai. Ouais, non, mais par contre, gros, tu me offres moins 20%. Lance-carreau, il me tente. Hein. Mais est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. C'est ça que moi je veux.
mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir. Chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ouais, ouais, t'inquiète, je reviendrai vite. L'heure est au craft, je pense. Non, 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 non. Ah, stop. J'arrive à avoir un putain de stuff. Quoi. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Pour l'instant, on va faire ça, comme ça, moi, ça vide un peu, puis machin. Bah, pour l'instant, aussi, une chose où je suis un peu étonné, c'est que le craft, il est important. Mais on trouve pas mal de ressources. Alors, après, attention, je pense que ça peut très, très vite se consommer aussi. Ça, on le voit, hein, franchement, si on n'a pas l'habitude de la sensibilité qui est beaucoup plus lourde. On peut vite partir en vrai. Ici. Ok. Donc du coup, ouais, la suite, c'est bien là. Hop. On va sauvegarder. Voilà. On va... On a combien? Voilà, on va avancer encore un tout petit peu, allez. Parce qu'on est friand, parce que j'ai envie de continuer. Mais j'ai quand même assez, d'un côté, j'ai envie d'arrêter parce que j'ai peur que la qualité ait du mal sur toutes les vidéos, du coup, avec ce que j'ai vu sur l'épisode 1. J'espère pas. Auquel cas, encore une fois, c'est jamais trop assez. Je m'excuse. Si jamais ce sera le cas pour les 4 premiers épisodes. Il a pris un volet. Ah ouais, pas mal. Le pauvre frérot. Bonjour monsieur. Tu dégages s'il te plaît. Exactement. Tu vois. Le sniper, c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. Parce que le zoom est bizarre en fait. Ils ont bien refait ce passage aussi. Hein.
Bon, pour l'instant, la visée, ça a l'air d'être un peu mieux quand même. Ouais, il y a un d'autre. Il faut y aller. On va éviter aussi de trop pêcher, je pense. Ah bah, il y a un cul-de-sac, donc qui dit cul-de-sac, c'est que... Voilà, par exemple. Trop stylé le détail. Pose sa main en mode, tu peux pas aller par là. J'aime bien. Eh ben, va trouver quelqu'un capable de soulever ça. La zone est polluée par leur présence, c'est insupportable. Détruire tous les médaillons bleus. Zone carrière, ferme piscicole. Putain! J'ai reconnu le machin. Par contre, ils étaient malins parce qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait. Par contre, j'aimerais bien trouver un frérot. Est-ce que j'aimerais bien m'arrêter? Ah, c'est bon. C'est quoi, c'est-à-dire? Et j'entends des bruits chez moi, je suis pas rassuré. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étrange. J'essaie de prendre la poussière, pourquoi ne pas les vendre? Et profiter de cet argent pour améliorer les armes que tu utilises vraiment. Lorsque tu vends une arme que tu as améliorée, tu récupères quasiment tout l'argent que tu investis dedans. Ouais, ça je sais. Il y a assez d'armes ici pour former une guérilla. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre... C'est nous qui le décidons, merci. Tiens, vois ce que ça donne. Quelqu'un comme toi puissance. Devrait tout de suite remarquer la différence. Reviens quand voilà. Tu veux, surtout. Il y a des paquets de chips. Ah non, c'est du blé. C'est du blé ou de la farine. Ok, une pièce hexagonale. On va fouiller juste ici.
Ok, pense, on va pas aller là. Ok. Eh bah, on va s'arrêter là pour l'épisode 4. Hein. On va s'arrêter là pour l'épisode 4. Ouais. On aura bien avancé. Oh la vache. J'ai hâte d'aller explorer tout ça. J'ai hâte. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode 4. Je veux continuer. Je me dis, allez, vas-y, je continue. Je vais continuer à record le prochain épisode. Mais ça va pas être possible. Je vais déjà essayer de régler le problème qu'il y a avec l'épisode 1. Auquel cas, si j'y arrive pas, tant pis. Je m'en excuse encore une fois d'avance. Si la qualité visuelle, la qualité graphique ne sera pas au top. J'espère juste par contre que ce soit à la limite juste l'épisode 1 quoi. Voilà. Mais voilà. En sachant qu'en plus là je vais mettre en place, ça y est, les miniatures. Je vais commencer à mettre des miniatures et tout ça. Donc on va voir tout ça. Et bah du coup pour l'instant. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous dire bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi. Vous connaissez la chanson, comme d'habitude, ça ne changera pas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Et puis voilà. Voilà. Allez, bye bye tout le monde.